Depuis le début de la crise sanitaire, nombreux sont les salariés qui connaissent les joies du télétravail et des multiples réunions en visio. C'est votre cas? Peut-être que sans le savoir, vous commettez ces petites erreurs make-up qui nuisent à votre superbe. Si en réunion visio, vos collègues ne s'aperçoivent pas que vous êtes en bas de pyjama, joie, votre joli minois, lui, est bien devant la caméra. D'où l'importance de ne pas commettre ces erreurs make-up décryptées par Michel Coulombe, directeur du talent artistique et de l'Education Europe Laura Mercier. 1. Se maquiller trop ou pas assez. Si vous êtes du genre à vous lever à 8h45 pour être connecté à 9h, en zappant complètement l'étape mise en beauté, vos collègues pourraient bien penser, voire exprimer, « Oh, elle a l'air fatiguée ». À l'inverse, en mettant le paquet sur le maquillage, ils vont se demander pourquoi vous en faites des tonnes. Bref, il faut trouver le juste milieu. Et pour ça, Michel Coulombe vous aiguille. Pour vous donner un effet bonne mine instantané sans passer des heures dans la salle de bain, choisissez une crème teintée à la formule légère. Il n'y a pas mieux pour uniformiser le teint et se créer un non-make-up look très sympa. Je vous conseille celle de Laura Mercier, que j'aime appliquer au doigt. Elle hydrate parfaitement la peau et lui offre illico un voile de luminosité. Pressée Tinted Moisturizer SPF 30 UVB UVA, Laura Mercier, 49€ chez Sephora. Si vous aimez vous maquiller les yeux et que vous êtes accro au glitter, Michel Coulombe vous conseille de troquer vos ombres pailletées contre des sticks nacrés, plus subtils, qui captent légèrement la lumière sans pour autant créer l'effet boule à facettes. Pressée Caviar Stick Eye Color, Laura Mercier, 31€ chez Sephora. 2. Zappez l'anti-cerne et le rouge à lèvres à force de travailler sur écran, la lumière bleue émise par votre ordinateur peut, vite, fatiguer vos yeux. Résultat, cerne et yeux rouges vous donnent rendez-vous tous les matins devant le miroir. Pour la camoufler et réveiller votre regard, rien de tel qu'un bon anti-cerne. S'il y a bien un produit que vous devez garder à côté de vos stylos, c'est le secret camouflage Brighton et Correct Duo de Laura Mercier. S'exclame Michel Coulombe, avant une visio, dégainez son embout correcteur pour cacher vos cernes puis illuminez votre contour de l'œil avec l'autre côté du crayon, qui possède une formule perlée, façon highlighter. Secret camouflage Brighton et Correct Duo, Laura Mercier, 34€ chez Sephora. Avec le port du masque, vous avez sûrement tendance à laisser votre rouge à lèvres au placard. Pourtant, celui-ci s'avère très utile pour vos réunions en ligne. Mettre de la couleur, c'est toujours une bonne idée et en plus, ça donne bonne mine, confirme Michel Coulombe. Si vous êtes fan des teintes vives, comme un rouge coquelicot, gardez la main légère, vous vous souvenez de l'erreur numéro 1? Trop c'est trop. Vous pouvez par exemple estomper la couleur sur un mouchoir en papier, pour créer un effet lèvres mordues à tomber. Et si entre-temps, vous sortez faire une course, inutile de vous démaquiller la bouche, un peu de poudre libre par-dessus votre rouge à lèvres et vous serez tranquille. Ça va créer un film magique qui garantit zéro transfert sur votre masque. 3. Oubliez de se repoudrer dans la journée à Beauty Addict. Remémorez-vous vos journées au bureau, lorsque vous faisiez des retouches make-up après la pause déjeuner. On parie qu'en télétravail, vous avez un peu laissé tomber cette habitude, par manque de temps ou d'envie, sauf qu'à la conférence visio de 16h, bonjour la peau luisante. Pour éviter de briller à l'écran, au sens propre du terme, Michel Coulombe vous conseille d'appliquer une poudre libre avec une houppelle en velours. Cet accessoire offre une meilleure fixation qu'un pinceau. La poudre se répartira de manière plus uniforme, à condition de tapoter légèrement la houppette sur votre visage, et non pas de la faire glisser. Bye bye la brillance, la preuve en vidéo. Pressé Transluce Loose Setting Powder, Laura Mercier, 44€ chez Sephora. Trouvez nos inspirations mode, beauté et food sur notre page Pinterest. Let's Block ADS. Why?